Bingo! FGS. OP! Ils vont réussir à nous gâcher cette fin de saison. C'est incroyable. Incroyable, médiocre, pitoyable. Qu'est-ce que c'est que cette prestation? C'est inadmissible. Inadmissible pour un club du standing du Paris Saint-Germain. Inadmissible. Oh, c'est des merlus. Le 11e de Ligue 1 qui vient chez toi et qui te secoue. L'otage Raf, tu vois, le mec, il a grave pas envie de jouer. Limite, j'ai l'impression qu'il a fait exprès de se manger un rouge, frérot. Mais reste chez toi, frère. Fais ce vite à la fièvre. Dis que t'as la grippe. Ah, Verratti, pour fumer des clopes et aller au restaurant à 4h du matin. Il y a du monde. Ah, pour prolonger et demander de l'oseille à Nasser. Il y a du monde. Mais sur le terrain, il n'y a personne. C'est le débrief. PSG Lorient, 33e journée de Ligue 1. On a perdu comme des fiottes. On n'a rien montré. Oh là 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 là, ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Bon, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Voilà. Paris s'incline. Paris s'incline à la maison. Déjà la tribune fermée. Bel hommage à James. Hein. Pour ceux qui ne savent pas qui est James, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans le paysage parisien et surtout dans le paysage supporterisme en France. Quelqu'un qui a beaucoup œuvré. Donc voilà, on a une grosse pensée à lui. Et tu vois, juste pour ça, ils auraient dû gagner déjà. Coup d'envoi qui va être donné par Lorient. On va aller l'orienter. J'ai prévenu hier dans l'avant-match. J'ai dit, les mecs, ils ont rien à perdre. Ils vont venir, ils vont jouer. Philosophie, Lorient. Ça joue au ballon. Et nous, on est là. Hein, on fait les grands garçons. Les merlus qui jouent haut tout de suite. Beaucoup d'observations entre les deux équipes. Déjà, il y a un truc que je comprends pas. Ce 4-4-2, déjà, ce 4-4-2. Donnarumma dans les cages. Marquinhos, Sergio Ramos, Juan Bernat, Hakimi, Danilo, Vitinha, Verratti, Soler, Carlos Soler. Inexistant. En 10, créateur bizarre. Qu'est-ce qu'il crée, lui, Soler? Il crée quoi? Il crée rien. Messi, Mbappé est devant. Ah, compliqué, les gars. Compliqué. Beaucoup de joueurs à l'intérieur du jeu. Pourquoi faire? Ils étaient tous à l'intérieur. Tu peux pas? On a eu du mal à mettre en place notre jeu. Les Lorientais, ils ont pris confiance. Ça joue. Enzo le fait. Enzo le fait. Pareil, dans l'avant-match, je l'ai dit, attention. C'est un excellent joueur. C'est un joueur de ballon. Ça tripote. Romain Fèvre aussi, ça tripote. Et ça a tellement tripoté qu'à la 15e minute, on s'est pris un but. Mais quel but! Ah, c'est grave. Je te jure, c'est grave. Aucun rythme. Aucune mobilité. Rien. Obligé de dézoner pour Messi. Mbappé, pareil. 21e minute. Carton rouge d'Hakimi. Hein? Qui fait cette faute bête. Deuxième carton jaune. On n'y est pas sur cette première période. Hein. Elle est clairement lorientaise. Mais bon, 29e minute. Hein, sur, on va dire, la roublardise de Mbappé. Hein, qui, je ne sais pas ce qui s'est passé, frérot. Le gardien qui pose le ballon en pensant que l'arbitre... l'arbitre, qu'est-ce qu'il a fait, l'arbitre? Il n'a même pas sifflé. L'arbitre, il a juste dit, jouez, jouez, jouez. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les gars. Bref, en tout cas, ça a profité au PSG. On égalise. Bon, ok, c'est cool, Mbappé, il met son but. But roublard, si tu veux. 10 minutes plus tard. 10 minutes plus tard, frérot.
Bah, Yongwa, hein. Yongwa. Magnifique, magnifique combinaison entre eux, hein, les merlus. Et puis là, voilà. Voilà, deuxième but. Voilà. On rentre à la mi-temps. 2-1, on perd à la maison. On joue à 10 contre 11. On s'est fait malmener toute la première mi-temps. Waouh, waouh, waouh. Deuxième mi-temps, coup d'envoi pour le PSG. Alors, il y a beaucoup de mieux. On a mis plus d'intensité, plus d'envie. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Beaucoup d'énervement aussi côté parisien. On a été obligé de se réajuster aussi dans le schéma tactique. Marquinhos qui est passé à droite. Elle n'avait plus joué à droite depuis 2013-2014, le bonhomme. Bref, Lorient était bien en place. Lorient nous a posé énormément de problèmes. On avait beaucoup d'échecs techniques aussi. Verratti qui était mais nullissime. Mais nul, Verratti. Nul, nul, nul. Il y avait du mieux dans le jeu. Oui, mais c'était pas assez, les gars. Pas assez. On a poussé, poussé, poussé. Les mecs, ils ont fait le bloc. Ils nous ont laissé très peu d'espace. Et c'est... Et on va le payer, les gars. On va le payer. Alors déjà, en fin de match, il y a un but qui est refusé pour Lorient. Hein, pour hors-jeu. Quelques minutes après, contre-attaque éclair, il n'y a plus personne en défense. Donnarumma, il est tout seul. Et là, Dzeng, normal, il met son but. 3-1. Lorient qui nous a giflé. Les mecs, va falloir bosser pour le mercato d'été. Va vraiment falloir bosser et ramener des bonhommes. Ça suffit. Ça suffit. Les mecs qui signent des prolongations, qu'on n'a rien à branler du club, et qui sont juste là pour prendre leur oseille, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux que tu me donnes des sensations sur le terrain. Je m'en fous de tes belles phrases, etc. C'est sur le terrain. Bref, les tops et les flops. Moi, pour mes tops, les gars, j'en ai mis que deux. Ramos, qui a été plutôt solide, et Mbappé, qui est pour moi le plus proposé en attaque. Hein. Et pour les flops, Solaire, Verratti et Messi, parce que ouais, Messi, c'est sur ce genre de match comme ça que je t'attends. Sur ce match-là, t'as flairé. Mais vraiment flairé. Il y a eu des remplaçants en Solaire, qui a laissé sa place à Fabian Ruiz. Bernat, qui sort pour Mendes. Mendes aussi en fin de match, qui est blessé. Même en début de match, on le voit, le genou à Mbappé lui fait mal. On le met titulaire. Bon, bref. Vitinha pour Ekitike et Zaïre Emery qui va rentrer à la place de Danilo. Danilo qui était pas content aussi. Bon, bref. Les gars, la note du match. 3 sur 10. 3 sur 10. Et je suis gentil. Vous me dites la note du match dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette prestation pitoyable dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est du test.